Eh bien oui, Step to Fame, donc qui est intraitable encore une fois sur le kilomètre de par sa vitesse d'exécution à l'ouverture des boîtes. Donc à mes côtés, donc Selvan qui est Stable Supervisor, Selvan Govinda qui est Stable Supervisor du côté d'écurie Chery Chinarang, également copropriétaire de ce Step to Fame, qui une nouvelle fois est remarquable, Selvan. Exactement, il le fait très bien. Et Kevin a superbement très bien monté. Et il a fait assez facilement encore une fois. On espère qu'il gagne le niveau encore. Alors c'est vrai que ça, il fait plaisir, hein, là, dès que les boîtes s'ouvrent, il est extrêmement rapide. Il fait peut-être là la différence sur le kilomètre où un bon départ est primordial pour pouvoir s'imposer. Exactement, malgré sa mauvaise ligne, il a très bien sauté. Et Kevin le connaît par cœur et ça facilite sa tâche. Alors, jeune Stable Supervisor, racontez-nous où est venue un peu cette passion et comment se passent vos journées justement. Ben, la passion est là depuis très longtemps et c'est Chery Chinarang que je remercie beaucoup. Il m'a proposé de devenir son Stable Supervisor cette année et j'ai accepté, j'ai pris ma chance et j'espère pouvoir devenir un jour un entraîneur. Ça se passe assez bien, vous avez une saison assez remarquable. Alors comment se passent un peu vos journées? Racontez-nous un peu à quelle heure vous réveillez, à quelle heure ça commence, etc. Ben, l'entraînement commence à 5h ici à Port-Louis et je me réveille à 4h. Ici, je dois remercier mon papa qui me réveille tous les jours le matin. Il m'aide beaucoup et il me supporte beaucoup. Alors comment ça se passe l'organisation au niveau d'écurie? Il y a certainement il y a pas mal de boulot avec... vous n'avez pas moins de 35 chevaux à l'écurie. Exactement, il y a beaucoup de stress. Tu dois se faire très rapidement et M. Chery prépare la liste des chevaux le matin. Il m'envoie tout ça par WhatsApp et j'organise le travail. Et c'est extrêmement intéressant certainement. Très intéressant. Eh bien, bravo, donc on vous souhaite plein de succès, hein. Vous êtes tout jeune et vous commencez dans le métier. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui s'y intéressent. Et bravo également pour cette très très belle victoire de Step to Fame qui marque les esprits une nouvelle fois sur le kilomètre. Dès le départ, on sent qu'il prend l'avantage sur ses opposants. Il repart de plus belle en pleine hydrole finale pour vraiment gagner une autre très très belle course, ce Step to Fame.